Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment. Nous bénissons ton nom pour le privilège de parler de ta parole. Seigneur, nous savons que tu es ici par ton esprit et que tu regardes à tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, et tu voudrais le meilleur. Tu voudrais que nous persévérions dans tout ce que tu nous as donné jusqu'à ce que nous te voyons face à face. Nous demandons, Seigneur, que tu aides chacun de nous afin que nous demeurions fidèles à ta parole, à la révélation que tu nous as donnée jusqu'à la fin des temps. Donne-nous ta grâce aux prédicateurs et à l'auditoire afin de rester au centre de ta volonté tous les jours de nos vies. Merci pour les ossements. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons Proverbe chapitre 22. Et je lis le verset 28. Proverbe 22, le verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ici, la parole du Seigneur nous ordonne et nous exhorte et nous encourage que s'il y a quelque chose d'essentiel, quelque chose qui soit importante, quelque chose que nous devons tenir jusqu'à la fin des temps, c'est l'ancienne borne. Et il le met au singulier. Il met tout ensemble, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons entendu, toutes les révélations que nous avons eues de la parole de Dieu. Il nous dit que vous ne devez pas déplacer la borne ancienne que tes pères ont posée. Il parle du sacrifice de nos pères, ceux-là qui ont été appelés par Dieu. Lorsque vous pensez à la révélation de la parole de Dieu, il vient tout droit de Moïse, il vient tout droit de Salmis, David, il vient tout droit de Abraham, il vient tout droit de tous les prophètes. Et beaucoup de ces prophètes, à qui on se réfère ici comme nos pères, ils ont souffert avec leur vie. Ils ont posé ou déposé leur vie, abandonné leur vie à cause de la révélation de la parole que le Seigneur leur a donnée. Et le Seigneur de nous dit que ces pères dans la foi et ces héros de la foi et ces grands hommes et femmes de par le passé ont posé le fondement et nous ont donné la marque, la borne. Et on nous dit de ne pas déplacer les bornes anciennes en ces temps présents. En ce moment moderne, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas chérir les bornes anciennes. Les bornes anciennes, ils seront prêts à les remplacer. Le Seigneur dit non, 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 il ne faut pas toucher à cela. Ça ne doit pas être fait. On ne doit pas toucher aux bornes anciennes. Ça ne doit pas être fait intentionnellement. On ne doit pas les toucher négligemment. Ça ne doit pas être fait avec l'oubli. Ça ne doit pas être déplacé à cause des difficultés ou des défis que l'on rencontre. Il y a beaucoup de ces paroles que nous lisons dans la Bible et ce sont des paroles défiantes. Et des fois, c'est peut-être difficile d'obéir. Mais il dit, ce n'est pas à cause de ce que tu as des défis ou des difficultés d'obéir que ça tu vas te permettre de déplacer les bornes anciennes. Tu ne dois pas le faire. Il nous dit aussi au chapitre 23, le verset 10. Chapitre 23, le verset 10. Il dit, ne déplace pas la borne ancienne. Il répète la même chose. La borne ancienne, on surveille cela lui-même. Le Seigneur lui-même surveille cela. Et il a fait que les patriarches du passé, les prédicateurs du passé et tous les prophètes du passé, il a fait qu'ils ont posé les bornes anciennes. Et il a dit, ne les déplace pas. Il dit, peut-être, il peut y avoir des gens qui voudront les déplacer. Qu'est-ce que tu vas les faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour eux? Chapitre 24, le verset 21. Il dit, mon fils, crains l'Éternel et le roi, et ne te mêle pas avec les hommes remuants, les hommes qui changent à tout moment. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Il y a des gens qui disent qu'ils sont fatigués avec l'ancienne borne et ils vont changer. Ils veulent modifier. Ils veulent mutiler la parole du Seigneur. Il dit, faut pas être d'accord avec eux. Ne participe pas à cela. Ne partage pas avec eux.
ne sois pas ami avec eux. Ne les supporte pas. Ne te mêle pas avec ceux-là qui se donnent au changement ou qui sont remuants. Nous venons dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il dit que votre éternité est en vogue ici. Et ceux à qui vous prêchez la parole, et aussi leur vie est en vogue ici. Et si vous ne mettez pas, vous ne restez pas sur les bonnes anciennes, et vous pensez, et vous voyez l'implication de la parole de Dieu qui vous parvient, alors vous allez transférer cette parole aux autres sans avoir pensé à cela, sans diminuer et sans ajouter. Les anciennes bornes dans le temps moderne, nous allons considérer trois choses. Numéro 1, le fondement. Numéro 2, la fausseté. Numéro 3, la fidélité. Numéro 1, le fondement et la doctrine de la borne du maître. De la borne du maître, le maître lui-même, le Seigneur lui-même, notre Sauveur lui-même. Il a posé le fondement. Il a fait la fondation. Il nous a donné ce qu'il faut. La copie originale. Et il a dépassé Moïse, il a dépassé Abraham. Il est allé au-delà de David. Et il a allé au-delà de tous les prophètes anciens. Parce qu'il est la parole personnifiée. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il est devenu chair. Et il a habité parmi nous. Il était plein de grâce. Nous avons vu sa gloire. Et la gloire comme celle de celle du Fils unique de Dieu, rempli de grâce et de gloire et de vérité. Et il dit que si vous continuez dans ma parole, pas la parole de Moïse, si vous continuez dans ma parole et non la parole d'Abraham ou de David, si vous continuez dans ma parole, et alors vous serez mes disciples réellement. Il a posé le fondement. Il a fait la fondation de la doctrine, le fondement de la doctrine du maître. Numéro 2, la fausseté et le danger des menteurs modernes. Les faux prophètes de ce jour sont des menteurs. Les faux docteurs sont des menteurs. Ceux qui ajoutent à la parole de Dieu sont des menteurs. Ceux qui soustraient à la parole de Dieu sont des menteurs. Ceux qui changent la parole, l'ancienne borne, et qui veulent remplacer avec la tradition des hommes, ils sont des menteurs. Avec l'enseignement des hommes, avec les doctrines des dénominations, ils sont des menteurs. La fausseté et le danger des menteurs modernes. Numéro 3, la fidélité des disciples avec la loyauté ministérielle. La fidélité des disciples avec la loyauté ministérielle. Venez au point numéro 1. Le fondement et la doctrine du maître, de la borne du maître. En 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti là-dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. L'apôtre Paul ici dit, le fondement compte beaucoup. Il dit, selon le bon architecte, l'architecte sage, j'ai posé le fondement. Et si vous ne bâtissez pas sur ce fondement, vous n'êtes pas sage. Si vous n'avez pas la même fondation, vous n'êtes pas sage. Si vous bâtissez sur une autre couloir, ou sur une autre borne, ou sur un autre terrain, sinon que celui que Jésus a posé, vous n'êtes pas sage.
Le verset 11, il dit, le verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ a posé le fondement lui-même et il est le fondement lui-même. Quand on dit Jésus le Sauveur, c'est ça le fondement. Jésus notre sanctificateur, c'est lui le fondement. Jésus notre guérisseur, c'est lui le fondement. Jésus notre puissance, c'est lui le fondement. Jésus le roi qui vient, c'est là notre fondement. Jésus, le sanctificateur, celui qui bâtit dans le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle le fondement. Tout ce que nous avons cru, tout ce que nous croyons, tout ce que nous enseignons, tout ce que nous prenons nos vies pour faire, c'est le fondement de Christ. Il a nous dit dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, le verset 47, Luc 6, le verset 47. Ici, le Seigneur lui-même nous dit ce qui suit. Que lui a posé le fondement. Il a donné le message. Il a déclaré la vérité. Et il dit que il dit que la vérité est suffisante pour notre sanctification, pour notre salut, et suffisante pour notre subsistance. Il est aussi suffisant pour nous amener au ciel, pour nous soutenir. Luc chapitre 6, le verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Avez-vous remarqué le fondement de message de Jésus? Vous avez vu ce qu'il a dit? Avez-vous remarqué ce qu'il a proclamé? Avez-vous remarqué ce qu'il a donné? Il nous a donné la totalité de la parole dont nous avons besoin pour que nous puissions aller au ciel, pour que nous puissions réussir au jour dernier. Nous allons réussir au nom de Jésus. Je dis, nous allons réussir au nom de Jésus. Il nous a donné cette parole. Il nous a donné la vérité. Et quand nous considérons la parole de Dieu, parce que lui-même il a dit ici, que celui qui écoute mes paroles, quelles sont ces paroles? Il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il a prêché la repentance. Ça c'est fondation de la parole. Il dit que si vous ne repentez pas, vous allez périr comme eux-mêmes. Il dit que ce n'est pas la religion. Il dit que ce n'est pas je viens à l'église. Ce n'est pas suffisant de dire je crois, je crois, je crois. Qu'est-ce que tu crois? Il dit que à moins que vous ne repentiez, vous ne vous repentiez, vous allez périr de même. Il a parlé de la foi. Il a dit, si vous ne croyez pas, il dit que si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas à celui-là qui est le chemin, la vérité, la vie, vous ne pourrez jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le chemin qui conduit au Père. Est-ce que vous avez rappelé? Vous rappelez-vous, il a parlé de la restitution. Que lorsque vous amenez votre don à l'autel et que là vous vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous, vous ne devez pas dire, ça ne veut rien dire. Ça c'est, je vais le faire après, c'est ce qu'il sort, c'est ce qu'il veut faire. Je vais offrir mon don. Non, il a dit non, ça ne peut pas marcher. Il a parlé de la restitution, de la restauration. Il a dit de vous devez laisser là sur l'autel votre don et vous allez retourner à cette personne et vous allez vous excuser et vous allez régler l'affaire, l'offenser. Vous allez régler cette affaire avec lui et vous revenez pour offrir votre don. Il a parlé de la repentance, il a enseigné la foi en Christ, il a enseigné la restitution, il a enseigné la justice. Il a enseigné à propos du salut. Il a dit, je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est ce qu'on appelle le salut. Il a dit, à moins que votre justice ne dépasse celle des pharisiens et des scribes, vous ne pourrez jamais rentrer dans le royaume des cieux. Il a parlé également de la pureté de cœur, la sainteté, la sanctification. Heureux les ceux qui sont purs. Heureux les purs, ceux qui sont purs, ils verront Dieu. Et que si vous ne vous repentez pas, vous allez à l'église, il n'y a pas de restitution. Vous allez à l'église, il n'y a pas de foi en Christ. Vous allez à l'église, pas de justice. Vous allez à l'église, pas de sainteté, pas de pureté, pas de sanctification. Vous perdez votre temps. Et il dit que c'est inutile. Vous devez bâtir sur le fondement.
Il a parlé du baptême d'eau. Allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous êtes né de nouveau, vous devez vous laisser baptiser dans l'eau. Ça, c'est ce que Jésus a déposé comme fondement. Il nous a donné, il a donné également le pain, il leur a donné le vin, et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il a fondé également la Sainte Cène. Qu'est-ce qu'il a dit à propos du mariage? Regardez ceci, dans Luc chapitre 16, à propos du mariage, mari et femme, un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Luc chapitre 16. Je lis là le verset 18. Il nous dit au verset 18, dans Luc chapitre 16, le verset 18. Regardez ce qu'il dit à propos du mariage. Quiconque, un bishop, un évêque, un pasteur, quiconque, un séminariste, quiconque, éduqué, un éduqué, un lettré ou un illettré, quiconque répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Voyez-vous cela? C'est ce qu'il a enseigné ça. Il a dit, ça c'est le fondement. Et l'apôtre Paul est venu aussi et en tant qu'un sage bâtisseur, il a déjà posé le fondement. Quiconque veut bâtir, tout prophète, tout prédicateur, tout évangéliste, tout ministre, tout ouvrier, que tout le monde prenne garde de la façon dont il a bâti dessus. Cela va vous surprendre. Et cela va vous bouger de comprendre que immédiatement que Jésus a parlé de mariage et qu'il a parlé de sans divorce, pas de divorce, et il a dit restez avec vos maris, avec votre femme, jusqu'à ce que vous mourrez, il a parlé de l'enfer. Regardez le verset 19. Regardez le verset 19. 16, verset 19. Il dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de lui Abraham et Lazare dans son sein. Il a parlé du mariage. Et vous savez, le problème dans le monde, c'est que beaucoup de gens dans le monde, ils ne sont pas prêts à penser à la façon correcte de faire le mariage. Et la façon appropriée de faire le mariage. La parole de Dieu concernant le mariage. Ils ne veulent pas écouter. Immédiatement que le Seigneur a parlé de l'adultère. Et qu'il a parlé de la vie impure. De quelqu'un qui laisse sa femme. Répudie la femme et épouse une autre femme. Ou celui-là qui épouse une femme répudiée. Après qu'il a parlé de ça, il a parlé de l'enfer. Non seulement cela, il a parlé de l'évangélisation. Il a donné cette commission à toute l'église et à tous les membres de son église. Il a dit, allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et vous savez que il a parlé également à propos de la rétrogradation dans Luc. Jean chapitre 15, le verset 6. Jean 15, le verset 6. Il dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Vous savez, il a aussi parlé du fait que vous devez persévérer jusqu'à la fin. Il a dit que à cause de ce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand va se refroidir. Mais celui qui demeurera, qui va endurer jusqu'à la fin, que c'est lui qui sera sauvé. Il a parlé également de l'enfer. Plus que toute autre chose dans la Bible. Plus que toute autre personne dans la Bible. Il a parlé du ciel aussi. Il a dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs maisons. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé. Et quand je vous préparerai une place, je reviendrai aussi encore avec vous. Et je vous prendrai avec moi. Afin que vous soyez là où je serai pour toujours. Vous allez découvrir toutes les choses dont le Seigneur a parlé. Et à cause de ce qu'il a parlé de ces choses, il dit que quiconque
veut bâtir doit bâtir sur ce fondement. Revenez dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Le verset 47. Luc chapitre 6. Le verset 47. Il dit, le verset 47, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit, et il dit, et qu'il met en pratique. Je vous le montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Creusé est répété deux fois. A creusé, creusé bien avant et il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie, bien bâtie. Verset 49, mais celui qui entend et ne met pas en pratique ces paroles est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent, il y a beaucoup de gens, ils s'en foutent du fondement. Ils s'en foutent de la borne ancienne. La repentance, ça ne leur dit rien. Restitution, ils s'en foutent de ça. Ils ne vont jamais dire, excuse-moi à quelqu'un. Ils peuvent te faire du mal, ils peuvent mentir sur toi, ils peuvent désobéir la parole de Dieu, mais ils vont refuser, renier et dire jamais ils n'ont dit cela. Et vous allez les défier même. Ils ne vont jamais s'excuser. Ils ne vont jamais changer non plus. Et il dit que ces gens, ils écoutent la parole du Seigneur et ils ne les pratiquent pas. Ils ont écouté à propos de la purification, de la sainteté. Ils ne vont pas être saints, ils ne vont pas être purs. Ils sont là à pratiquer la religion. Ils ont bâti un sanctuaire religieux, une maison religieuse, un édifice religieux. Et ils ne vont pas obéir la parole du Seigneur. Il dit que le torrent va venir et va se jeter contre cette maison. Et le torrent se jettera contre elle aussitôt. Cette maison est tombée et la ruine de cette maison a été très grande. Irréparable. Irréparable au du moins. Et le Saint est en train de nous dire que vous devez bâtir sur le fondement. Vous devez enseigner ce que le Seigneur a enseigné. Vous devez prêcher ce que Christ a prêché. Vous devez vous lever sur ce sur quoi il s'est levé. Dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez ce qui suit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous avez enseigné la repentance depuis que vous enseignez les autres? Avez-vous jamais enseigné la restitution depuis que vous enseignez les autres? Et si vous écrivez, vous êtes un écrivain et vous enseignez pas votre écrit, avez-vous jamais écrit sur la restitution ou est-ce que vous circoncisez ou vous évitez, vous arrosez, vous amoindrissez le sérieux de la restitution parce que vous-même vous en avez à faire et vous ne voulez pas le faire. Vous avez des recherches à faire à vos leaders, à l'église et vous ne voulez pas le faire. Et à cause de cela, vous n'êtes pas à l'aise d'écrire. À propos de la restitution, vous n'êtes pas libre d'écrire. À propos de la justice interne, la justice qui est transparente, la justice dans le jour comme la justice de nuit. Et ici, nous allons et nous tournons en rond et nous évitons. Et en parlant, en s'enseignant seulement la religion, ce n'est pas ça qu'il faut. Le Seigneur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous parlez de la sanctification? Est-ce que vous enseignez la sainteté de cœur, la sainteté de vie, la sainteté à la maison, la sainteté au lieu de travail, la sainteté partout? Est-ce que vous enseignez cela? Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et quand est-ce que vous avez parlé du baptême dans le Saint-Esprit? Vous-même, est-ce que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit? Avez-vous le pouvoir du Saint-Esprit dans votre vie? Comment est-ce que vous dites, comment pouvez-vous dire ce que vous n'avez pas? Comment pouvez-vous soutenir ce que vous n'avez pas cru? Ce que vous n'avez pas expérimenté? Vous devez expérimenter cela vous-même. C'est après l'expérience que vous pourrez déclarer et dire aux autres, est-ce que vous avez parlé de l'enfer?
combien de jours maintenant, combien d'années maintenant, vous n'avez plus jamais mentionné l'enfer. Parce que vous avez cessé de croire à l'enfer. Et que ceux qui meurent, ils ont le danger d'aller en enfer. Est-ce que vous croyez cela en vous-même? Est-ce que vous croyez vraiment cela? Que, où est l'enfer dans la Bible? Comment pouvez-vous convaincre les autres à propos de l'enseignement de la Bible, à propos de l'enfer, que l'enfer existe? Et attention qui pêche, Jésus a prêché cela. Non seulement a-t-il parlé de l'enfer, il a parlé du ciel. Il a parlé du ciel. Il a aussi dit, enseignez-leur tout ce que vous avez prescrit, tout ce que vous avez prescrit. Et voici. Sur la base de ce que vous faites cela, et sur la base de ce que vous êtes fidèle à cela, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que c'est que quelqu'un là-bas dise amen. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 30. Jean chapitre 8, le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Mais il a dit, ce n'est pas là la fin de la voie. Ce n'est pas là la fin de la voie. Comme il a parlé, beaucoup ont cru en lui, c'est bon. Mais il dit, ne partez pas encore, il y a encore quelque chose à dire. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Point numéro 2. La fausseté et le danger des menteurs modernes. Regardons à Job 24. Job chapitre 24. Le verset 2. Job chapitre 24. Le verset 2. Voici ce qui est dit. On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les met, on les fait paître. Il est en train de parler de ceux, quelqu'un de certains, qui vont déplacer les bornes de l'Église des Écritures. Ils vont déplacer les bornes de Christ. Ils vont déplacer les bornes de l'Église. Du troupeau de Dieu, et ils vont violemment voler certains, la pensée des gens, et enlever la pensée des gens de Jésus-Christ. Et les gens ne pensent plus à Christ de façon centralisée. Et beaucoup de gens sont emportés, et ils sont enlevés de la parole du Seigneur. Ils sont enlevés loin, et ils sont fait partie loin de Dieu. Et leur attention vient d'autre chose. Peut-être que l'attention vient sur la fausse doctrine. L'attention vient sur la fausseté. Ils ont violemment enlevé le troupeau et ils se sont fait ce troupeau eux-mêmes. Vous allez vous retrouver menteur devant le Seigneur si vous faites cela. Vous volez le troupeau et vous enlevez les bornes de la Bible afin que vous puissiez attirer l'attention à vous-même, que les gens vous aiment avec la fausseté, la fausse doctrine. Ce n'est pas ça qui est bon. Sophonie chapitre 3, le verset 4. Sophonie chapitre 3, le verset 4. Sophonie chapitre 4, le verset 3. Sophonie 3, le verset 4, il dit, ces prophètes sont téméraires, infidèles, ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Comment est-ce qu'ils font cela? Ils sont heureux et ils sont courageux d'aller contre le Seigneur, de parler contre la sainte doctrine, de parler contre l'Église. Et ils font cela violemment. Et ils interprètent la parole du Seigneur violemment. Et ils disent que c'est ça. Nous sommes partis loin de la voie. Et nous invitons tout le monde de venir après nous et de sortir de la voie. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur dit que de telles personnes qui enlèvent la bonne ancienne, le jugement descendra sur eux. Et regardez Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 13. Regardez ce que les menteurs font. Regardez ce que les faux prophètes là font. Regardez ce que ces faux docteurs font. Regardez ce que ces prédicateurs rétrogrades. Regardez ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ils n'ont pas la grâce de Dieu dans leur vie pour mener la vie de sainteté, la vie selon la parole de Dieu. Et à cause de cela, ils sont prêts à changer,
à baisser le ton, à modifier la parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 13, le verset 22. Ézéchiel 13, le verset 22. Il dit, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Lorsque vous les écoutez, vous êtes juste, vous serez sage, vous serez triste, vous serez triste. Si vous avez de soucis pour la gloire de Dieu, en écoutant les faux producteurs, vous êtes triste à cause de leurs mensonges, à cause de leur fausse doctrine, à cause de leur mauvaise interprétation de la parole du Seigneur. Et à cause de cela, ils sont en train de mentir. Ils font la manipulation des Écritures. Avec des mensonges, vous avez affligé le cœur du juste. Quand moi-même, je ne l'ai point attristé. De tels prédicateurs ne travaillent pas avec Dieu. De tels prédicateurs ne travaillent pas en ligne avec le Seigneur. Il a dit, le Seigneur dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Et le Seigneur dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ils ne sont pas d'accord avec cela. Et ils vont dire quelque chose. Si vous lisez la Bible, ils vont lire ces mêmes versets et ils vont transformer cela. Ils vont mettre cela sens dessus dessous et ils vont se moquer de cela et ils vont rire. Lorsqu'ils font cela, si vous êtes juste, vous êtes là-bas, votre cœur sera attristé. Vous serez attristé parce que le mensonge que vous entendez vous perce le cœur. Voyez, c'est ce que les prophètes là font, les faux docteurs font et ils mettent la main. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant, il fortifie les mains du rétrograde. Si vous êtes enfant de Dieu, vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Disons par exemple, vous êtes un ministre et vous administrez la parole. Vous faites que le rétrograde est content. Il sourit, il rit, il est content. Et vous dites, hey, vas-y, ça c'est très bon. Je suis d'accord avec toi. Le rétrograde, c'est ce qu'il dit. Et les justes sont affligés. Les rétrogrades ne peuvent pas se séparer de leur péché et se libérer de leur mal. Parce que vous aussi, vous êtes un ministre rétrograde. Et vous faites que le rétrograde est content. Vous faites que le péché est content. Et vous détournez la parole de Dieu. Vous transformez la parole de Dieu. Voilà les prédicateurs modernes. C'est ce qu'ils font. Ils étendent la main vers le méchant et ils font que le méchant ne se détourne pas de sa mauvaise voie. Pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Et vous voyez tout ce qu'ils font dans l'église, vous allez penser également à la cellule biblique, à la cellule de soins de maison. Ceux qui ne sont pas de nouveau là-bas, lorsque vous prêchez, qu'ils vous écoutent, les rétrogrades, est-ce qu'ils vous félicitent? Est-ce qu'ils sont contents avec vous? Est-ce qu'ils disent, oh merveilleux, tu n'es pas comme tel tel qui est toujours là, dit ça, dit ceci. Si vous êtes un dirigeant de zone, vous êtes un pasteur local, vous êtes un pasteur quelque part, qu'est-ce que vous prêchez? Qu'est-ce que vous dites aux personnes, aux gens, les rétrogrades et les pécheurs? Est-ce qu'ils viennent pour vous féliciter, pour vous secouer, pour vous serrer la main? N'importe où vous êtes et vous administrez, vous faites quoi que ce soit dans l'église. Est-ce que vous savez, lorsque vous finissez, les pécheurs sont contents avec vous? Ceux qui ne sont pas les rétrogrades et les rétrogrades qui sont là-bas, est-ce qu'ils sont contents avec vous? Si votre ministère fait que les menteurs, les rétrogrades, les pécheurs sont d'accord avec vous et vous refusez. Vous faites qu'ils refusent de se repentir et de demeurer dans la rétrogradation. Vous ne servez pas le Seigneur. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes un menteur. Et vous promettez le mensonge à ceux-là qui vivent dans ce genre de vie. Et ces gens vont recevoir le jugement de Dieu à la fin des temps. Regardez à Jérémie chapitre 23. Jérémie 23, le verset 13. Jérémie 23. Nous lisons le verset 13. Jérémie 23, verset 13. Dans les prophètes et Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé pour Baal, pas Baal. Et ils ont égaré mon peuple d'Israël. Ils ont prophétisé avec Baal. Et ils ont égaré mon peuple d'Israël. Notre ministère ne doit pas faire égarer les gens de la sainteté. Égarer loin de la justice. Égarer loin de la préparation. De la venue de Christ pour la venue de Christ. Si vous prêcher et que les gens ne voient rien dans votre prédication ou dans votre service qui va les faire préparer pour la venue de Dieu, la venue de Christ, vous ne servez pas le Seigneur correctement. Il dit au verset 14, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères,
Il marche dans le mensonge. Il fortifie les mains des méchants. Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorre. C'est pourquoi ainsi ils sont ainsi. Le jugement qui est venu sur Sodome et Gomorre descendra également sur ces gens. Ça c'est certain. Ça descendra sur eux. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Verset 1. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre 2, verset 1. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il parle de ces faux prophètes. Il parle de ces trompeurs. Il parle de ces gens qui n'ont pas la gloire de Dieu à leur cœur. Et ils n'ont pas le souci d'amener les pécheurs loin du péché et les amener dans le Seigneur. Refaire, remener les rétrogrades. Ils n'ont pas cela à cœur. Ils ont autre chose qu'ils veulent accomplir. Ils ont un autre agenda. Ils ont un autre objectif. Ces faux prophètes, ils travaillent pour une autre personne. Ils sont des faux ministères, les faux ministres, les faux enseignements, les faux enseignants. Ils sont de faux dogmes, de faux croyants, de faux croyants, de faux croyants. 2 Pierre 2, 1. Il y a eu parmi eux, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous, de même docteurs. De faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Ils vont le faire secrètement. Ils vont le faire secrètement. Ils vont amener de l'hérésie. Ils vont amener des sectes pernicieuses qui sont différentes de la parole de Dieu et qui renient le maître qui les a rachetés. Ils rejettent le plan du salut de Dieu. Ils rejettent la voie pour la vie éternelle. Ils rejettent le Seigneur. Il a renié le Seigneur, attiré sur eux-mêmes une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous allez croire que personne ne va les suivre. Personne ne va les suivre. Non, ce n'est pas vrai. Les gens vont dire, nous connaissons la vérité. Nous savons ce qui est bon. Laissez les faux prophètes prêcher. Laissez les faux docteurs prêcher. Et laissez les faux ministres administrer. Pas de problème. Nous connaissons la vérité. Non, 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 non. Beaucoup de gens les suivront. Beaucoup de gens les suivront. Beaucoup de gens les suivront, plusieurs les suivront avec leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Il dit que de telles personnes, finalement, ils vont venir et ils vont venir sous le jugement de Dieu. Et la condamnation va venir sur eux. Vous ne pouvez pas enseigner aux autres ce que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas amener d'autres au ciel. Si vous-même, vous ne pouvez pas aller au ciel. Vous ne pouvez pas détruire la vie des autres et le ciel va vous bâtir. Ça, c'est impossible. Vous ne permettez pas aux autres d'avoir la grâce de Dieu par votre enseignement. La grâce, là, vous ne l'aurez pas vous-même. Vous ne l'aurez pas. Ça, c'est impossible. Vous amenez de multitudes dans l'enfer et le ciel vous amène vous-même au ciel. Ce n'est pas possible. Si vous êtes évêque ou qui que ce soit que vous soyez, vous vous nommez prophète, vous nommez évêque, ça ne veut rien dire devant le Seigneur. Si vous conduisez les gens en enfer, vous allez les suivre en enfer. Il n'y a rien à faire. Regardez le verset 19. Regardez le verset 19. Ils leur promettent la liberté. Ils leur promettent la liberté. Il dit à tout le monde, soyez libre. La liberté est là. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Nous sommes libres en Christ. Il dit, ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si vous êtes triomphé par l'adultère dans le privé, vous venez crier seulement sur le pupitre, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de poids. Vous êtes vaincu par la fornication, vous couchez avec les filles de votre église et vous êtes là, venez crier ici, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de poids. Ce qu'on venait dire dans le public, on ne veut rien dire. Et vous êtes esclave du péché. Et dans le privé, vous commettez, vous buvez l'alcool. Et vous prenez de tom-tom dans votre bouche. Vous êtes esclave. Tout ce que vous allez dire, ce n'est que du tonneau vide. Ça n'a pas de poids. Et pas la connaissance de la parole du Seigneur et de Jésus-Christ. Ils sont
ainsi amené également en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et seul sauveur Jésus-Christ, ils s'y égarent de nouveau et elles sont vaincues, leur dernière condition est pire que la première. Au lieu d'aller vers le positif, ils vont dans le vers le négatif. Au lieu d'aller de l'avant, ils régressent, ils perdent la grâce de leur vie. Et ainsi, la dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux, n'avoir pas connu la voie de la vérité, que de se détourner après l'avoir connu du Saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un vrai proverbe, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous avertir. Revenez au fondement, revenez aux marques anciennes, aux bonnes anciennes. Revenez à la révélation de la parole de Dieu enseignée par Jésus-Christ lui-même. Voyez Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Pour les lâches. Ils sont tellement lâches. Ils ne peuvent pas mettre l'accent sur la parole du Seigneur. Vous cherchez, vous voyez le regard et le visage des gens. Et vous voyez le visage des femmes de votre église. Et à cause de cela, vous ne pouvez pas parler de la repentance. À cause de cela, vous ne pouvez pas parler de la restitution. Parce que vous regardez le visage des hommes. Vous ne pouvez pas parler de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez peur. Vous êtes un lâche. Pour les lâches et les incrédules, les abominables. Et les menteurs, les meurtriers, j'allais dire, les meurtriers, les impudiques, ce sont des adultères, des fornicateurs, les hommes charnels, ceux qui aiment et qui font le mal, les enchanteurs, les sorciers, les sorcières, les idolâtres, ceux qui aiment pratiquer les actes familiers, et tous les menteurs, pupitres, les menteurs de pupitres, les menteurs de privés, en privé, ceux qui mettent la parole de Dieu et qui la transforment en autre chose et qui font une mauvaise interprétation et mésusent la parole de Dieu. Ils sont des menteurs, tous menteurs, tous les menteurs, menteurs publics comme menteurs privés. Ils auront leur part dans l'état ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. À quoi le Seigneur nous appelle-t-il? Il nous a montré le fondement. Que veut-il que nous fassions? Il nous appelle à la fidélité. Si vous êtes un disciple, vous devez avoir la loyauté et la fidélité pour la seule pensée pour votre Seigneur. Et c'est cette fidélité qui va vous amener et qui sera vue dans le ministère. La fidélité des disciples avec la loyauté ministérielle. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il est demandé de pas du pasteur qu'il soit fidèle. Il est demandé du dirigeant de l'église qu'il soit trouvé fidèle. Vous voyez-vous? Peut-être que vous êtes fidèle lorsqu'on parle de la prédication de la parole de Dieu. Aussi longtemps que cela ne touche pas votre famille, vous êtes fidèle. Par exemple, nous savons que le Seigneur ne peut pas utiliser les pécheurs pour sauver les pécheurs. Impossible. Pour amener d'autres pécheurs dans le royaume de Dieu. Peut-être que vous êtes un pasteur et votre femme est quoi? La coordinatrice des femmes. Mais vous ne pouvez pas être fidèle en ce lieu parce que vous savez que votre femme est là. Et si c'était une autre femme qui était coordinatrice de femmes, vous allez dire, sœur, viens ici, va t'asseoir. Ce que tu fais n'est pas bon, va prier. Parce que vous savez que votre femme est combattante. Votre femme va se mettre en colère. Votre femme va mentir. Elle dit des mensonges. Votre femme fait ces choses. Mais parce qu'elle est votre femme, vous ne la disciplinez pas. Elle est là et elle dirige les gens qui sont plus justes, plus qu'elle. Elle dirige les gens qui sont plus obéissants qu'elle. Peut-être que c'est votre fils, c'est votre garçon qui est le joueur du piano et qui est là dans la chorale. Vous savez que votre enfant est un voleur. Et vous savez qu'il est un menteur. Vous savez qu'il est il fume de la cigarette. Vous savez qu'il ne mène pas la vie selon la parole de Dieu. Et vous dites, mon frère, mon fils, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Hein? Tu sais, si je t'arrête maintenant parce que je dois t'arrêter,
Le public va demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne veux pas t'exposer. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas me permettre de traiter avec toi selon la Bible. Tu n'es pas fidèle. Tu es partiel. Ok? Tu c'est autre personne, tu vas dire, hey, viens ici, ne connais-tu pas la parole de Dieu? Pourquoi tu fais cela? Tu sais crier sur les autres, tu ne sais pas crier sur toi-même et sur tes enfants. Ils ne sont pas nés de nouveau, si un homme ne pas de nouveau, il ne peut pas diriger les autres. Un aveugle qui conduit les aveugles, et les deux vont tomber dans le trou. Tu sais comment citer la Bible quand cela arrive aux autres. Mais tes enfants, tu les laisses tranquilles, tu es pasteur. Et dirigeant national, dirigeant ceci, cela, tu n'es pas corriger tes enfants, tu sais corriger les autres. C'est ça qu'on appelle diriger. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Je dis, vous serez fidèles au nom de Jésus. Regardez à 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. 2 Timothée 2, 2. Il dit, les choses que tu as entendues de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. À quelle sorte d'hommes? Des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il n'y a pas de tribalisme ici, il n'y a pas de sectionnalisme ici, il n'y a pas de favoritisme ici. Vous devez donner cela à des gens fidèles. Ce n'est pas parce qu'il est mon frère, non. Mais des gens qui sont capables d'enseigner d'autres personnes, nous ne pouvons pas, vous savez, choisir pour vous. Vous êtes libre de vous marier à un croyant ou à une croyante. Prenons l'exemple, vous êtes pasteur. Prenons l'exemple que vous êtes un dirigeant national ou vous êtes le dirigeant clé dans l'église de Dieu vivant. Vous voulez vous marier. Vous êtes libre. Mariez-vous à qui vous voulez. Mais si vous vous mariez à un nouveau converti, vous vous mariez à quelqu'un ou quelqu'un qui ne connaît pas les doctrines de la Bible. Vous vous mariez à quelqu'un ou à quelqu'un qui ne peut pas tenir ferme pour dire, regardez le chemin, marchez-y. Vous mariez quelqu'un qui est, un novice, une novice, et qui essaie de comprendre. Hey, mon mari, dis-moi la restitution. Où est-ce que cela se trouve dans la Bible? Vous essayez d'aider cette personne. Et vous dites, mon mari, dis-moi, où est-ce qu'on a dit que si tu te mets en colère contre ton frère, contre ta soeur, et tu l'appelles raca ou imbécile, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'on est digne de l'enfer? Dis-moi. Où est-ce qu'on a dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Elle ne connaît pas. Mais parce que c'est votre femme, directement, elle devient quoi? Coordinatrice. C'est ce que nous aimons ça. La Bible n'a pas dit cela. Si vous mariez à une novice, si vous mariez quelqu'un qui est une nouvelle convertie, vous êtes libre de marier. Si c'est une croyance, c'est bon. Mais si la personne ne connaît pas la voie du Seigneur, si la personne ne connaît pas la voie de la justice, vous ne pouvez pas la prendre comme ouvrière ou ouvrier sur toutes les autres femmes dans votre groupe. Elle ne peut pas devenir coordinatrice des femmes. Jamais. Ça ne doit pas se passer. C'est ce que nous disons. C'est ce qui se dit ici. Il dit que les choses que vous avez entendues, les choses que vous avez apprises, vous devez remettre cela entre les mains de femmes ou des hommes fidèles qui seront en mesure d'enseigner. Soit là, ils ont la capacité d'enseigner, ils ont la compréhension d'enseigner, ils ont l'autorité de vie pour enseigner. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et si vous voulez être fidèle, c'est ce que vous devez faire. Ce n'est pas parce qu'il est le leader, je suis leader, tout le monde est leader, nous sommes tous leaders, et nous venons à haut pupitre, et nous ne pouvons pas enseigner le peuple de Dieu la parole. Quel genre de leader sommes-nous? Donnez cela à des gens fidèles, les gens qui acceptent la parole, les gens qui vivent selon la parole, qui vont enseigner d'autres personnes avec conviction. Et vont soutenir cela avec la vie qu'ils mènent. C'est ça qu'il faut. Psaume 119. Psaume 119. Le verset 33-34. Psaume 119. Vous ne choisissez pas quelqu'un dans votre tribu. Nous sommes de la même localité. Nous parlons la même langue. Nous sommes de la même commune. Quand est-ce que tu es venu dans l'église? Je suis venu l'année dernière. Qu'est-ce que tu connais? Je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau? Mais je n'ai pas quelqu'un de chez moi, de ma commune, de mon village qui est ici. Alors, qui est dirigeant ou bien qui est pasteur? Ok. Tu es né de nouveau l'année dernière. C'est ça, non? On va t'appeler pour l'interview. On va te poser telle question. Prends un bic, écris. Quand on te pose cette question, réponds ici. Quand on te pose ceci, réponds ici. Tu es un fornicateur. Tu n'es pas fidèle.
Tu n'es pas là pour servir le Seigneur. Tu es là pour servir ta tribu, ta commune, ta langue. Nous sommes tous de cette commune. Nous allons nous aider. Le Seigneur va t'enlever de là. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen là. Psaume 119, le verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Voilà la consécration. Voilà la consécration, l'engagement de quelqu'un qui dit, je sais que c'est la voie juste. Je sais que c'est la voie, ce que je dois faire. Enseigne-moi, Seigneur, la voie, ta voie, et je vais tenir cela jusqu'à la fin. Donne-moi la compréhension et je garderai ta voix. Donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. On ne sait pas le Seigneur avec le cœur à moitié. Avec un cœur à moitié. Non, on sait le Seigneur de tout son cœur. Et on s'engage au Seigneur de tout son cœur. Regardez 1 Roi 22. 1 Roi chapitre 22. Nous lisons le verset 1 Roi 22. Le verset 32, le verset 13, verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. D'un commun accord, les prophètes prophétisent le mensonge au roi. Et ils ont dit cela en unité, en cœur. Et je te prie. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Voilà le faux prophète qui essaie d'influencer Michée, le vrai prophète. Et Michée lui répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. J'annoncerai ce que le Seigneur me dira. Si vous êtes un homme fidèle, quelqu'un, un brutogane vient vous dire de marcher sur la voie de la rétrogradation et de dire ce qui est mauvais. Et de faire ce qui est mauvais, vous devez être en mesure de dire non, non, moi je suis engagé pour le Seigneur, j'ai donné ma vie, ma destinée, mon futur au Seigneur, je ne peux pas faire cela, vous devez être en mesure de le dire, et vous devez vous engager totalement au Seigneur ainsi, alors vous savez que vous allez faire, vous allez dire seulement ce que le Seigneur vous annoncera. Il a nous dit que c'est seulement lorsque nous tiendrons, et que nous tiendrons ferme à cette vérité jusqu'à la fin, que nous serons sauvés. Et c'est ainsi que nous serons en mesure de voir le Seigneur au dernier jour. Hébreux 3. Hébreux chapitre 3. Le verset 6. Hébreux chapitre 3. Le verset 6. Voici ce que le Seigneur nous dit. Parce qu'il espère que nous sommes fidèles jusqu'à la fin. Hébreux 3. Le verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Tout ce que vous avez appris, si vous êtes fidèle à cela jusqu'à la fin et que vous tenez fermement à cela, vous n'allez pas permettre à ce que cela s'échappe de vos mains, alors vous serez un participant du royaume de Dieu. Le verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et un cœur incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous étiez avec le Seigneur par avant. Vous étiez en train de servir le Seigneur. Vous étiez sauvé. Vous avez fait vos restitutions. Vous étiez sanctifié. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et vous aviez été fidèle au Seigneur. Allez-y, contenez, continuez dedans jusqu'à la fin. Verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres jusqu'à chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché, la séduction des choses de ce monde. Le verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il dit, tenez cela fermement, jusqu'à ce que la fin soit. Toutes les doctrines que nous avons apprises, la façon de mener la vie que le Seigneur nous a révélée, tenez cela jusqu'à la fin, afin que vous ne perdiez pas votre âme, que vous ne perdez pas votre récompense, que vous ne perdez pas votre couronne.
Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ceux qui font son commandement, pas ceux qui se rebellent contre le commandement, ou qui se retrogradent, ou qui retrogradent, pas ceux qui méprisent la parole de Dieu, pas ceux qui changent la parole de Dieu, pas ceux qui changent la conviction de la parole du Seigneur, pas ceux qui conduisent les autres dans l'égarement. Non, il dit heureux ceux qui lavent leurs robes, c'est-à-dire ceux qui obéissent à sa parole, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Le verset 15. Dehors les chiens, les sorciers, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Le verset 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Après avoir dit cela, il nous rappelle qu'il revient bientôt. Et vous devez être prêt pour sa venue. Il revient bientôt. Vous devez tenir fermement la parole de Dieu que vous avez apprise. À propos de la repentance, à propos de la restitution, à propos de la justice, à propos de la pureté de cœur, à propos de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, à propos de la responsabilité du croyant. Tenez cela fermement. Ne changez pas. Ne modifiez pas cela. Ne changez pas, ne vous soustrayez pas de la parole de Dieu. Ne diminuez pas. Le verset 21 dit maintenant, le verset 20, celui qui atteint ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Il faut permettre au Seigneur d'être visible dans votre vie. Vous devez penser au Seigneur, penser à la parole du Seigneur, penser à votre engagement au Seigneur. Vous ne devez pas jouer à la religion. Ne pensez pas à la religion. Ne trompez pas. Ne vous trompez pas vous-même. La religion n'a pas de valeur devant le Seigneur. Vous n'êtes pas ici à cause d'un homme, à cause d'une femme. Vous êtes là à cause du Seigneur. Et vous devez donner votre vie totalement au Seigneur, à lui et à lui seul, pour lui plaire. Est-ce que vous voulez vous lever? Ceux qui sont encore assis, levez-vous. Merci beaucoup. Parlez maintenant, remettez votre main du Seigneur, dites Seigneur, j'ai écouté ta parole, je serai obéissant à la parole que tu m'as enseignée. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu.